Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek en mode après-midi et en mode... Je suis pas mécontent de ma découverte. Bon, j'étais sur mon site, mon nouveau site préféré, Youpin... Youpin.me.com. On a pas le droit de dire Youpin, faut dire Youpin, on est à la chinoise, bien évidemment. Et regardez ce produit-là, dis donc. Quand je le regarde, je me dis, putain, mais ça serait pas un Mi Band 3 en couleur? Oui et non, en fait, oui. C'est vendu par Xiaomi, par le crowdfunding de Xiaomi, des produits partenaires, machin et tout. Ça, voilà, le Mi Band 3, ça a exactement la même gueule, la même forme. À part que l'écran, il n'est pas indien, donc il n'est pas bombé, bien évidemment. Il n'est pas cher et surtout, il est en couleur. C'est exactement la même chose, à part qu'il est en couleur. Donc, on tient bien un peu notre Mi Band 3 couleur avec un écran AMOLED et tout. Enfin, des petits mots qui te font dire que machin. Alors après, le prix sur youping.com, 229 RMB ou Yuan. Et 229 RMB, tu vois, ils disent bien, tu vois, quand tu mets bien UN en haut, ils mettent bien RMB. Oui, parce que tu danses le... Non, rien à voir avec le RMB. RMB, 30 euros en prix sur Youpin. À savoir que Youpin, je me rends compte que c'est pas les moins chers quand même. Hein. Ils y vont un peu fort chez Youpin. Un petit peu, hein, quand même, attention. Bon, même si c'est Xiaomi, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un écran AMOLED à 229 Yuan. C'est ça, c'est bien le prix respecté. L'écran AMOLED, bah, ça pète tout de suite. Hein. Je veux dire, là, bon, sur le Mi Band 3, on a un joli écran, mais c'est pas fou, quoi. Écran AMOLED, machin, donc les appels. Bon, on va directement trouver un autre site en anglais, parce que là... Alors là, je vous mets un peu la démo incroyable. Donc le truc, il démarre, il vous explique que bon, ça va être trop bien. Alors, je peux pas le mettre en plein écran, là, on n'est pas sur YouTube. Alors voilà, il vous explique qu'on va avoir... Je vais enlever la musique, je vais me taper les droits d'auteur, sinon encore... Merde, j'ai fait quoi? J'ai tout niqué. Bon, on va revenir. Bon, bah, je reviens. Oui, quand c'est comme ça, évite de vous faire attendre pendant 10 minutes. Alors bon, la fermeture, c'est la même. Capteur cardiaque à l'arrière, bah, ça a l'air un peu tout pareil. À part bah, que forcément, on a un écran avec plusieurs couches, plusieurs menus en couleur. Et bah c'est vrai que bon après la AMOLED on n'est pas bien d'accord que ça va rien vous apporter de plus, mais vous allez pouvoir contrôler vos appareils, là je ne sais pas non plus encore. Bon, capteur cardiaque, là on est sur du basique classique, Royal Santu. Donc là vous allez pouvoir, bah, il y aura directement le NFC dedans, donc vous allez pouvoir ouvrir les portes machin, éventuellement paiement sans contact, et voilà les avantages du Hey Plus. Voilà, ne m'en demandez pas plus pour l'instant, en chinois on n'aura rien, donc voilà. Bon, là, tu vas avoir des jolies images. Donc l'ouverture des portes, ça on a vu. Là, c'est ah, ça c'est bon. En NFC pour le paiement du métro en Chine, ça c'est la classe. Au moins, tu n'as plus besoin de te faire chier avec ta carte. Tu passes tout sur la montre, tu recharges la montre, ça c'est pas mal. Écran AMOLED, NFC, vibreur, batterie, la classe. C'est un Mi Band 3, hein. Cherchez pas, niveau technologique, ils ne sont pas fait chier. Hein. Ils ont écrit et derrière, c'est exactement la même chose. Bon, capteur de sommeil, tu vas compter tes pas. Tu vas pouvoir, alors après ça, je sais pas trop encore quoi ça va servir. On en verra peut-être un peu plus. C'est... Le seul qu'il a, c'est Banggood qui les a mis en pré... Enfin, charge. Alors tu vois, charge, bon, c'est pas sans fil, c'est... Tu vois, on voit bien qu'il y a deux clips. Deux petits clips derrière. Bah oui, je sais, j'ai du mal. Deux petits clips, bon, 20 grammes et tout. Alors, c'est Banggood qui l'ont rentré en premier. Alors, c'est bien, c'est qu'on aura une fiche en simili anglais, si on arrive à l'avoir. Alors, 50 euros, ils se sont un peu enflammés parce que c'est toujours pareil, quand ils en ont pas, ils mettent le prix un peu haut. Ils se sont dit, si nous on la paye 28 euros, plus les frais de port, 50 euros, on est sûr que ça passe. Mais à savoir, quand ils vont en avoir, souvent les prix sont un peu plus bas. Donc on est bien, nanana, l'écran AMOLED, ça c'est classe. Bon, la batterie, 120 mAh. Sous Android 4, nanana, donc ça soutient un nombre de sommeil, là, hein, capteur cardiaque, inclut le bracelet. C'est pareil, c'est tout pareil, c'est pour ça qu'on peut, décemment dire, vu qu'elle est vendue par le groupe Xiaomi, hein, si c'est par une société X ou Y, c'est un peu le Mi Band 3 couleur, voilà, AMOLED, ce qui est super classe. C'est vraiment un très joli produit, tu vois, une belle évolution de ça. Alors attention, est-ce qu'il y a français, anglais dedans? Alors anglais, j'aurais tendance à vous dire, pourquoi pas. Faudra attendre un peu. Là, de toute façon, personne n'en vend. Donc, on va pas s'enflammer. Après, on pourrait essayer de voir avec Banggood d'en avoir un, ouais, pour voir un peu. Parce que s'il y a au moins l'anglais dedans, c'est classe. Après, moi, je trouve que c'est vraiment l'évolution naturelle du Mi Band 3. On va avoir les mêmes fonctions, allez, pareil étant, je peux pas recommander. T'auras les mêmes chinoises qui dorent et tout, voilà. Donc, voilà, je suis assez content d'avoir vu cette news aujourd'hui déjà sur Youpin et d'avoir vu Banggood qui est vendeur. Comme ça, si vous voulez directement vous mettre en pré-information quand ça sera dispo, ben, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, je mettrai le lien dans la description. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ces A plus B. Alors elle aura un peu un nom de. Elle a un peu un nom Sony, hein, avec des chiffres et des lettres. Mais je trouve le produit assez intéressant et vraiment une évolution naturelle de ce qu'aurait dû être le Mi Band 3.
directement dans cette version-là. Bon, après, Xiaomi A+. Voilà. Comme toujours, cher en partageant sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'il y a des gros fans de Xiaomi parmi vous. Commentaire en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce Mi Band 3 version couleur, mais qui s'appelle A+, mais qui pourrait très bien s'appeler chez les vendeurs Mi Band 3. Ça va passer comme une lettre à la poste, ça va passer crème. Et enfin, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas, tu me dis pourquoi. Et nous, on se revoit bah, peut-être tout à l'heure s'il y a une news incroyable qui sort. Sinon, ce soir à 16h pour le live, pour un GG par en live en mode à quotidienne. Paix et prospérité, bonne journée, merci aux 79 tipeurs. 79 cafés, là, ça va y aller, je vais me le faire chauffer, là. Parce qu'après, ça fait du bruit et tout, donc voilà. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Oh.